tribune. Radio Mbote, la voix de la diaspora africaine au cœur de l'événement. Nous sommes à Strasbourg, au Parlement européen, à l'initiative de l'African Diaspora Network Europe qui a organisé ce voyage avec 50 organisations de la diaspora. Le but, eh bien, c'est tout simplement de venir à la rencontre des députés européens et plancher sur des thématiques comme l'immigration, mais également la traçabilité des ressources naturelles. Tout de suite, les impressions et les attentes des participants. Bonjour Radio Mbote, moi c'est Mireille Tangouseg-Gegelsoschepers. Je suis là pour vous dire ce que j'ai vécu les deux derniers jours avec Adéné. On a passé deux superbes journées ici à Strasbourg au sein de la Commission européenne. Nous avons pu avoir l'occasion de faire un network, d'apprendre à connaître les autres membres intéressants, fort intéressants de la communauté africaine. Et nous avons pu aussi débattre avec Épé Michel sur les sujets qui sont très pertinents dans nos communautés africaines et pour le développement de l'Afrique. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Edwige Abena, présidente de la PDEF, Association pour l'égalité et le développement des femmes. Je suis originaire du Cameroun et je suis très très contente de représenter APDEF ici à Strasbourg au sein de la diaspora africaine avec des échanges fructueux que nous avons eus et des promesses d'avancée qui donnent de l'espoir pour l'Afrique. Merci. Bonjour, je m'appelle Mamadou Alpha Diallo, je viens du Sénégal. Je suis le président et fondateur de la société AfricaPed, qui est une société de consultance dans le développement des affaires basée à Dakar. Aujourd'hui, nous sommes là avec, à l'occasion d'une visite au Parlement européen de Strasbourg avec ADNI, African Diaspora Network in Europe. Et nous avons eu l'occasion de discuter avec les membres du Parlement européen sur des questions qui touchent plus la diaspora africaine et sur la migration. Mais de plus, pour voir comment on peut travailler ensemble et que la diaspora puisse être intégrée dans les stratégies et politiques de développement de la migration. Merci. Bonjour, je suis Christelle Penanzila, donc entrepreneur sociale et également responsable de Roots Events, une organisation qui fait la promotion de la culture afro-caribéenne en Belgique, en Europe, aux États-Unis et en Afrique. Et je suis ravie d'avoir fait partie de cette délégation qui est venue ici au Parlement européen de Strasbourg à la rencontre des MEPs pour discuter de différentes thématiques, de différents défis auxquels l'Afrique fait face comme, et l'Europe également, parce que nous avons aussi un destin commun, la migration, la gestion des ressources naturelles, la culture, le développement. Et ce que j'ai trouvé intéressant aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir un dialogue d'égal à égal, parce que souvent quand on parle de développement, coopération, développement, c'est la main qui donne, et donc on est juste attentiste et on doit écouter les recommandations qui nous sont faites. Ici nous avons pu en parler librement. Nous avons pu échanger sur ces thématiques-là avec lucidité parce que nous sommes lucides sur la gouvernance de nos pays d'origine. Nous sommes très critiques sur la gouvernance de nos pays d'origine. Donc nous ne sommes pas une... On nous a reproché à nous, la diaspora, de ne pas de ne pas mettre le nez dans nos affaires, donc des pays, de nos pays d'origine, et de ne pas critiquer si nous sommes très critiques. Mais nous sommes également lucides par rapport aux défis auxquels nous devons faire face et auxquels l'Union européenne également doit faire face. Ce qui a aussi été dit, qui était important pour moi, c'est que l'Union européenne a souvent des discours qui ne sont pas à jour par rapport aux thématiques et par rapport aux problématiques, et qu'il faut faire appel à ces personnes qui sont sur le terrain et qui peuvent donc rapporter plus haut tout ce qui s'y passe. Et donc je crois que c'est vraiment un dialogue de ce type-là qui va commencer à se mettre en place au niveau belge. On a commencé au niveau belge, maintenant au niveau européen, dans tous ces États membres, toute cette diaspora qui est présente, qui est en lien avec, avec l'Afrique et qui peut vraiment aider à mettre sur pied des politiques qui seront beaucoup plus réalistes par rapport à la situation actuelle. Merci. Moi, je suis Madame Doucouré Assanatou. Je suis présidente de l'Association des femmes maliennes pour la promotion de la femme et de l'enfant.
Je suis aujourd'hui au Parlement pour participer à une rencontre organisée par le Parlement avec la diaspora et l'ANDE. Voilà. Moi, ce que je tire de cette rencontre, c'est que l'initiative qui a été prise est une initiative salutaire parce que la diaspora africaine qui vit en Europe regorge de potentialités qui doivent être mises à profit pour mener des actions en Afrique et en collaboration avec l'Union européenne. L'idée de mettre en place un réseau qui permettrait de faire le lien entre la diaspora malienne et l'Europe est une idée à saluer et qui permettrait, j'en suis convaincue, d'aborder des problèmes qui sont des préoccupations pour non seulement la diaspora, mais également pour l'Union européenne qui ne peut pas directement agir en Afrique, mais qui peut passer par la diaspora pour pouvoir mener certaines actions en Afrique. Bonjour, je m'appelle Massala Boli. Donc, je suis venue ici en tant que coordinatrice d'une association internationale qui s'appelle IDE. Donc, IDE, en fait, promeut l'éducation, donc le droit à l'éducation de qualité pour tous les enfants en Afrique. Et nous avons des réseaux dans 19 pays africains. Donc, c'est plein d'espoir que je suis venue à ces deux jours organisés par l'ADNE au Parlement européen de Strasbourg, parce que c'est la première fois pour moi que je m'implique dans des événements de la diaspora ici en Europe. Je pense que c'est un acteur qui est peut-être encore trop faiblement représenté et pas assez considéré comme un acteur, un interlocuteur important aux yeux notamment du Parlement européen et plus largement dans les politiques de coopération et développement. Donc voilà, je suis ici au niveau personnel mais aussi professionnel et je suis très contente de la qualité des échanges, notamment grâce à Louis Michel et Linda McAven qui étaient là, mais aussi entre les participants. On a beaucoup échangé entre nous et je pense que les contacts vont continuer par après et c'est très prometteur pour moi. Patrick Nsialakiese, je suis agréablement surpris du niveau des participants et de l'accueil et de l'encadrement qu'on a eu durant ces deux jours. Et c'est en fait un petit rêve qui se réalise pendant des années. J'ai travaillé dans le culturel au niveau européen. J'étais un peu isolé, je trouvais. Et là, tout à coup, je rencontre des gens, des networks qui nous permettront, en fait, je crois, aux Africains d'introduire des dossiers au niveau européen dans différents pays. Donc je remercie énormément ADNE pour cette expérience qui est sûrement le début d'une longue et très joyeuse aventure. Merci beaucoup. Je m'appelle Marie-Charlotte Tatepo. Je suis venue avec l'équipe de Nollywood Europe pour présenter notamment le film Brothers, donc qui est un film culturel qui parle un peu de l'interaction entre les Africains de la diaspora et ceux vivant en Afrique, mais aussi les Européens donc qui se déplacent, et voir comment les cultures s'entrechoquent et comment est-ce que nous pouvons apprendre les uns des autres. Aujourd'hui, nous avons vécu donc une séance avec les membres du Parlement européen, de tous les partis politiques qu'on peut imaginer. Et donc, nous avons eu l'occasion aussi d'échanger nos points de vue, notamment par rapport à la manière dont la gestion des minerais africains est impactée par la globalisation. Et donc, je pense que c'est très important pour nous, en tant que membres de la diaspora, d'être impliqués dans ce genre de débat et surtout interpeller les parlementaires et leur demander des comptes rendus par rapport aux propositions qu'ils mettent en avant. Merci beaucoup. Je suis Indira Yanni Domingo. Attachée de presse dans la communication aussi publique et événementielle. Il se trouve que j'ai voulu participer à cette journée qui pour moi était quelque chose d'utopique au départ, parce que ça fait à peu près un an que je réfléchissais moi-même à voir comment organiser un événement comme celui-là avec la diaspora africaine que je ne connais malheureusement que de Paris, hein. Et il se trouve que vous l'avez fait en invitant la diaspora par-delà les frontières, de la Belgique, du Luxembourg, finalement moi de Paris qui vis aussi à Strasbourg. Et c'était enrichissant de voir aussi la qualité des débats qui ont eu lieu aujourd'hui, les présentations qu'on nous a faites hier. Et la prise de conscience de connecter justement les diasporas africaines en Europe. Donc j'espère que ça résonnera en écho et que les autres diasporas
se rassembleront en fait, hein, rejoindront la DNE et puis d'autres organisations pour justement poursuivre ce qui a été commencé aujourd'hui. Voilà, merci. Je m'appelle Manel M. Salmi, je suis membre de ADNI, African Diaspora Network Europe, et donc je fais partie de Communication Team, donc Communication Manager, et je suis également experte en questions environnementales. Et donc aujourd'hui, j'ai donné un interview, ma présentation sur le changement climatique et l'immigration, la crise de migration surtout. C'était vraiment très positif, très constructif, parce qu'on a eu un échange avec les députés européens et on a exposé les problèmes par rapport à la diaspora africaine et surtout concernant la crise des réfugiés, qui est une crise partagée entre l'Europe et l'Afrique. Et on a vu aussi un échange de vues entre les membres de la diaspora, qui sont membres aussi de ADNI, et les parlementaires européens. Et pour finir, il y a eu des conclusions très très importantes, parce que cette initiative de la visite du Parlement européen n'est pas seulement une initiative passagère, mais il y aura aussi d'autres événements et il y aura aussi d'autres initiatives qui vont suivre la visite du Parlement européen. C'est comme les European Development Days, où on a eu une publication avec nos travaux, nos articles. Il y aura aussi une publication et il y aura aussi du travail du côté de la diaspora africaine. Et donc, on va vraiment concrétiser les objectifs par rapport à la diaspora africaine et l'Europe. Laurent Soumou, je suis administrateur de l'ASBL Union. C'est un plaisir pour moi d'avoir effectué ce voyage. Plaisir parce que j'ai eu l'opportunité, l'occasion de rencontrer des personnes dynamiques impliquées au sein de la diaspora, au sein de l'Union européenne. Ça a été l'occasion de se rendre compte que les rêves que nous faisons parfois et les actions que nous menons seuls, ben, d'autres également font les mêmes rêves. Même des actions qui sont similaires ou complémentaires, et donc il y a une dynamique qui est née et qui pourra se poursuivre après ce voyage. Et donc je voulais remercier l'ADNE pour cette initiative et je pense pouvoir dire que l'ASBL Union va continuer à s'impliquer pour donner une suite et une concrétisation à ce qui a été entamé ici à Strasbourg. Bonjour, je suis Annie Moutamba, je suis consultante en communication et affaires européennes. Étant évidemment dans les affaires européennes depuis un moment, je suis vraiment ravie d'accompagner d'être en compagnie de ce groupe de la diaspora africaine au sein de cette grande institution de l'Union européenne qu'est le Parlement européen. C'est important aussi que certains membres du Parlement européen écoutent les priorités de la diaspora africaine et voient s'il y a éventuellement un alignement avec leurs propres priorités et les propres dossiers et les propres questions dont ils traitent au sein de l'Assemblée. Bonjour, je m'appelle Christelle Amosalignagé, je suis originaire du Burundi, je suis médecin urgentiste en région parisienne et je fais partie de l'ADNE. Ces deux jours ont été vraiment très contributifs et j'ai eu à connaître l'impact important de la diaspora donc africaine en Europe et de la contribution qu'elle pourrait faire en Afrique du fait que nous sommes présents sur le territoire européen. Il a été abordé plusieurs sujets très intéressants, notamment celui de la migration, qui est un sujet d'actualité. On a eu à évoquer les différences entre les réfugiés humanitaires et les migrants économiques, qui est très important parce que la plupart des personnes font confusion par rapport à ça. Voilà, j'espère que ça va continuer, que nous n'allons pas nous arrêter juste là. Ça a été juste un début et donc nous pourrons effectivement agir dans ce sens-là pour développer notre Afrique, qui est un continent qui est très riche. Merci. Je suis Marie-Chantal Witonze, présidente de l'African Diaspora Network in Europe. Je suis aussi conseillère au Parlement européen. Ce voyage, je l'ai voulu et je l'ai organisé parce que je jugeais que c'est très important à ce moment où l'Europe vit des bouleversements en ce qui concerne la migration ou le questionnement sur l'apport de la diaspora africaine en Europe est remis en cause. Il est important de remettre l'église au village. Il est important de démontrer quelle est la qualité de ce que nous apportons à l'Europe, quelle est l'importance de notre existence et
en quoi notre existence est très importante à la fois pour l'Europe et pour l'Afrique. Donc ici, nous avons eu l'occasion de parler de la question de migration, de la gestion des ressources naturelles et des politiques fiscales. Je ne veux pas répéter le débat, les députés européens sont extrêmement, en tout cas, contents et heureux de découvrir cette force qui se cache. Ils l'ont dit d'ailleurs qu'ils aimeraient avoir régulièrement des intellectuels comme nous, des personnes qui savent de quoi ils parlent, des personnes qui font des recommandations de qualité et des personnes qui sont actives pour le changement. Le changement, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. On peut déjà se réjouir du fait que cette opportunité existe et que les députés sont très ouverts pour continuer un dialogue permanent avec la diaspora africaine. J'étais tellement surprise par l'accueil qui a été réservé à cette initiative et les propositions qui émanent même des députés eux-mêmes qui veulent même aller plus loin pour nous demander de se constituer à une sorte de parlement qui permettrait d'échanger comme interlocuteur reconnu et au niveau international et au niveau européen. Je vous remercie.